Et tout le monde doit être exprimé sur son ami. En vrai, il y a des cas. Non, non, mais c'est quelque chose de logique. Nous avons, quant à sa participation à la Coupe du Monde au Qatar en 2022, il y a des cas. C'est quelque chose de logique. Nous avons un garçon comme Max Meignan et d'autres derrière, tout proche ou qui peuvent intégrer le groupe, je ne sais pas comment ça va se passer, il y a une logique, je ne sais pas non plus, même si c'est dur, il sera normal à un moment donné de ne plus y être. Je ne me suis pas fixé d'objectif. J'ai déjà la chance de vivre cette compétition-là, si je suis, tant mieux, sinon j'aurais eu une belle carrière internationale. C'est quelque chose qu'on aime, le gardien que je suis, qu'on ne pourra pas m'enlever. Je suis fier d'avoir vécu. D'avoir vécu ce que j'ai vécu avec les deux. Qu'en pensez-vous, moi, pour moi? Il a raison, mais il devrait s'accrocher jusqu'à la Coupe du Monde 2022 et prendre sa retraite à l'issue de la Coupe du Monde 2022, même s'il y a même Meignan. Meignan est destiné à être le numéro 1, à prendre la suite de Lloris. Et quand à Mandanda, j'aurais aimé le voir en numéro 1, mais Lloris est arrivé et je n'ai pas compris pourquoi il a pris sa place. Pour moi, Mandanda est plus fort que Lloris. Qu'en pensez-vous, même si Lloris a fait du bon boulot, notamment à la Coupe du Monde 2018, mais je n'aime pas son comportement, c'est un peu cul, qu'en pensez-vous, notamment envers Deschamps et Benzema, et dans le bus à Nasser en Afrique du Sud, qu'en pensez-vous, mettez des commentaires sur le match en YouTube.